Cette semaine, je vous propose de parler d'un homme dont vous avez beaucoup entendu prononcer le nom si vous êtes fidèle de cette émission, Henri-Irénée Maroux. Régulièrement, en effet, les invités font l'éloge de son influence sur le monde intellectuel, le crédite d'avoir fait redécouvrir les pères de l'Église aux catholiques de France ou louent sa grande figure de professeur. Mais au fond, qui était cet homme discret, né en 1904 et mort en 1977, qui occupa plus de 25 ans la chaire de christianisme ancien à la Sorbonne. Au cours de cette émission, vous allez découvrir une belle figure intellectuelle, mais aussi un humaniste profond qui n'a pas hésité à s'engager en politique. Alors, à l'occasion de son 120e anniversaire, je vous propose de mieux le découvrir grâce à deux invités, Philippe Blodeau, professeur à l'Université d'Angers, et Jean-Marie Salamito, professeur à Sorbonne Université. La foi prise au mot, Henri-Irénée Maroux. Dimanche à 20h35 sur KTO.